Bienvenue à la première d'une série de 7 tables de discussion de l'Alliance pour une Constituante citoyenne du Québec, organisation non partisane. Les discussions se tiendront jusqu'à la fin mai. Les tables se terminent dans le cadre d'une 5e rencontre nationale qui se tiendra les 22 et 23 mai. Donc, vous pouvez suivre les discussions sur le site de la CCQ, acq.québec. Il y a aussi la page Facebook et la chaîne YouTube. Donc, vous allez tout trouver ça sur le site de la CCQ. Encore une fois, acq.québec. Donc, qu'est-ce que la CCQ? C'est l'Alliance pour une Constituante citoyenne du Québec. La CCQ se donne comme mission de promouvoir, de préparer et de provoquer la convocation d'une assemblée constituante non partisane, totalement libre dans ses délibérations et ayant comme mandat la rédaction d'une constitution par et pour le peuple. Juste mentionner que la CCQ n'a pas de prise de position. Donc, on vous invite à lire le manifeste et à le signer, si ça vous plaît, sur le site de la CCQ, acq.québec. Si vous voulez faire des dons, vous pouvez aller dans la section « Devenir membre ». Donc voilà, je me présente, Julie Lévesque. Je suis journaliste indépendante et diplômée de l'Université de Montréal. Je me spécialise dans la critique des médias, donc j'ai beaucoup de travail ces temps-ci. Vous pouvez lire mes textes sur Tribunal de l'info, FAUX. Et bon, je vais vous parler un peu de mon parcours. J'ai travaillé 6 ans comme journaliste pour le Centre de recherche sur la mondialisation. J'ai vécu 5 ans en Chine, où j'ai enseigné l'anglais. Je suis revenue en août, donc j'ai passé toute la pandémie en Chine. Depuis mon retour, je suis impliquée dans divers mouvements qui sont la cible de choix des grands médias. Et avec Laurence Bergeron-Michaud, j'ai cofondé le collectif pour une information libre qui regroupe des professionnels et des citoyens de tous les horizons, lesquels réclament, entre autres, un débat public à Radio-Canada sur la crise sanitaire. Vous pouvez lire le manifeste sur infolibre.ca. Donc voilà, on passe maintenant tout de suite à nos invités. Aujourd'hui, on a Roméo Bouchard, Étienne Chouard, Amir Kadir et Pierre Curzi. Je vais piger pour savoir qui va se présenter en premier. Donc, chaque invité a 1 minute pour se présenter. Donc, j'ai mon petit pot ici. Vous voyez, je vais faire ça en direct puisque... pour éviter... voilà! Amir Kadir! On vous écoute. Amir Kadir, qui êtes-vous? On vous connaît, mais... Bonjour, je m'appelle donc Amir Kadir. J'ai vécu en Iran les 10 premières années de ma vie et je vis au Québec donc depuis 1971. Je suis actuellement médecin. Je m'occupe des problèmes d'infection dans un hôpital de la région de l'Anaudière, du sud de l'Anaudière, l'hôpital Le Gardeur. J'ai été pendant 10 ans député pour Québec solidaire à l'Assemblée nationale du Québec, où j'ai côtoyé justement mon ami Pierre Curzi. Je fais partie donc des membres de Québec solidaire qui, dès ses débuts, c'est-à-dire depuis la fondation du parti en 2006, et en fait même avant, c'est-à-dire tout ce qui a mené à sa genèse, ont inclus dans notre programme et nos objectifs, la mise sur pied d'une constituante populaire démocratique. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Amir. On passe maintenant à Roméo Bouchard. Oui, bonjour. Moi, je suis du Lac-Saint-Jean. Et j'ai fait des études en histoire, philosophie, théologie et sciences politiques. J'ai enseigné, j'ai été journaliste, mais j'ai été surtout militant à peu près toute ma vie. Agriculteur à plein temps pendant 20 ans, oui, également, fondateur de l'Union paysanne. Et à la retraite, ben, j'ai écrit et depuis 2010, je m'intéresse particulièrement à la question de la démocratie. Ça a commencé avec le mouvement des 100 partis, plutôt même avant qu'avec Amir Kadir, d'ailleurs, le Rassemblement pour une alternative politique qui est à la toute origine de ce qui a fini par Québec solidaire. Et le mouvement 100 partis, puis la coalition pour une constituante, qui a présenté des candidats à l'élection de 2012, des candidats qui étaient en faveur de la convocation de la Constituante. Alors, voilà, je suis heureux de participer parce que la CCQ, c'est un peu dans le prolongement du mouvement sans parti, puis de la Coalition pour la Constituante qui a relancé tout ce débat-là au Québec.
Parfait. Merci beaucoup, Roméo. Maintenant, c'est au tour de Pierre Curzi. Bon, bonjour. D'abord, je vous parle au téléphone parce que j'arrive pas à brancher mon audio. Je suis d'abord un comédien. Je suis originaire d'un père italien, mais je suis un Montréalais de naissance et de vie en général. J'ai été comédien une grande partie de ma vie, ensuite président de l'Union des artistes pendant 2 mandats, et ce qui m'a amené à me présenter en politique, j'ai été député du comté de Bordua pour le Parti québécois pendant 5 ans et demi, et c'est là que j'ai effectivement côtoyé Amir. Ce qui m'a amené, moi, à la Constituante, évidemment, c'est le projet de souveraineté, c'est par là, puis tranquillement, c'est toute la réflexion sur la souveraineté et de plus en plus l'idée que peut-être qu'il fallait dissocier un projet d'indépendance de celui de la Constitution. Et tranquillement, avec beaucoup de gens, on a fait beaucoup de discussions là-dessus, et avec des groupes, différents groupes là, qui sont plus ou moins disparus, mais avec des gens, des jeunes personnes très, très brillantes, on est arrivé à l'idée que d'abord et avant tout, ce qu'il fallait, c'est avoir une assemblée constituante et doter la nation québécoise d'une constitution et laisser libre cours à la souveraineté du peuple et à la démocratie populaire pour savoir quel serait, entre autres, le régime politique, mais ce n'était pas la seule question, et ce n'est pas la seule question d'une constitution, mais c'en est une qui est postérieure à celle de d'abord de se doter d'une constitution. Voilà. Parfait, merci beaucoup Pierre. Dernier et non le moindre, Étienne Chouard, c'est à vous. Salut à tous, je suis content de vous retrouver. Le mouvement qui vous anime, qui vous rejoint est très proche de ce qui me paraît depuis 15 ans être le plus important dans la vie. Je me bagarre depuis 15 ans pour que, après, je suis prof à Marseille, en France, enfin près de Marseille, et je suis à la retraite depuis un an. Et depuis 2005, je me suis réveillé en politique en découvrant le projet de constitution européenne. J'avais jamais lu comme personne, et en le lisant, je me suis aperçu que la plupart des mots importants que nous utilisions, comme démocratie, constitution, citoyen, suffrage universel, etc., étaient littéralement mis à l'envers depuis 200 ans par nos maîtres, ceux qui nous dirigent, les élus. Et j'ai réfléchi depuis 15 ans, mais je suis sur une idée que j'ai depuis le début, qui est que notre impuissance est programmée, l'impuissance populaire est programmée par ceux qui participent à l'Assemblée constituante et qui sont les professionnels de la politique. Ils ont un intérêt, ils sont en conflit d'intérêts. Il ne faut pas que je développe trop. En gros, l'idée, c'est qu'une démocratie, ça s'institue et que le peuple lui-même est le seul à pouvoir le faire. Que, tant qu'il aura des représentants, tant qu'il y aura une Assemblée constituante élue, tant que le peuple démissionnera de l'institution de sa propre puissance, il n'aura pas. Il sera le jouet de ceux qui ont, eux, compris qu'il fallait être constituant. Et cette idée progresse un peu partout dans le monde, et ça me fait plaisir. Donc je suis content d'être avec vous. Je suis très proche des Québécois de cœur. Si je pouvais être plus souvent avec vous, je le serais sûrement. J'adore votre accent et votre façon de penser qui est... J'ai l'impression d'avoir mes racines avec vous, plus qu'ici. Ah, mais aujourd'hui, danser, c'est presque plus permis, hein, donc... merci, Étienne. Ce qu'on va faire maintenant, c'est je vais refaire un tirage au sort pour les exposés individuels. Donc, chaque invité va avoir environ de 9 minutes et demie à 10 minutes pour nous expliquer... en fait, la question, c'est une constituante ouverte. Pour qui, pourquoi et comment? Et qu'est-ce que c'est aussi? Parce qu'il y a plein de gens comme moi qui est une néophyte sur cette question. Pour nous expliquer ce que c'est exactement. Donc, je vais retirer encore une fois les noms. Donc, il débute cette fois-ci. Pierre Curzi. Oh mon Dieu, c'est beaucoup m'a demandé. Est-ce que vous m'entendez quand je parle comme ça? Oui.
Il n'y a pas trop d'écho? Il y a beaucoup d'écho. Pendant que vous parlez, vous devriez baisser peut-être baisser le son de vos haut-parleurs. Comme ça, on n'aurait pas l'écho, parce que je pense que c'est vos haut-parleurs qu'on entend. Pierre, est-ce que vous voulez donner votre tour à quelqu'un d'autre pendant que vous réglez ça? D'abord, je voudrais donner mon tour. Je vais fermer le micro ici. À Roméo, parce que je trouve que M. Bouchard est probablement le plus compétent pour répondre aux questions que vous avez posées. Et je ne veux pas... alors, je préférerais qu'on commence par lui. Je vais essayer de régler mes problèmes sonores, s'il vous plaît. Okay. Parfait. Donc, on va commencer par Roméo. Je vais enlever votre nom de mon petit pot ici. Roméo, la parole est à vous. Bonjour à tout le monde. Une constituante, pourquoi et comment? Voilà la question qu'on nous a posée. D'abord, je précise, une constituante, c'est une assemblée mandatée pour écrire la constitution d'un pays ou d'un État. C'est donc l'exercice premier de la souveraineté du peuple, son pouvoir constituant de peuple. Alors ça, c'est la base. Pourquoi une constituante au Québec? D'abord parce que le Québec n'a pas de constitution. Et il est à l'intérieur de la Constitution canadienne qui ne fait pas de place comme telle au Québec comme nation, comme peuple. Donc, on se retrouve foncièrement sans constitution qui vient de nous, qui nous appartient. Donc, c'est absolument essentiel à un moment donné, surtout actuellement où il y a beaucoup d'incertitudes sur l'avenir du Québec, de nous définir, de nous constituer comme nation politique. Plus concrètement, disons que l'importance de se doter d'une constitution, c'est pour nous sortir de l'impuissance où on est actuellement à changer les choses. Parce que, comme tous les autres peuples, on fait face à un système économique qui génère énormément d'inégalités sociales, qui génère également une crise écologique extrêmement dangereuse. Mais on est impuissant actuellement à intervenir efficacement dans ces crises-là parce qu'on ne contrôle pas les décisions démocratiques. La démocratie, la crise démocratique est encore plus fondamentale que la crise économique et la crise écologique parce que les décisions nous échappent. Les décisions actuellement sont au contrôle des dirigeants économiques et des partis politiques, qui sont d'ailleurs font assez bon ménage en général avec les dirigeants économiques. Alors au Québec, en plus, on a le problème de l'indépendance, le problème du statut politique du Québec. Et c'est clair, comme l'a dit M. Curzi tout à l'heure, d'une façon très claire, je partage tout à fait ça, la stratégie du référendum sur la souveraineté du Québec a fait son temps parce qu'elle a échoué deux fois et les gens n'y adhèrent plus comme telle, comme stratégie. Et il faut adopter une nouvelle stratégie qui va se fonder directement sur le peuple québécois et non pas sur la stratégie d'un parti politique. Donc, il faut sortir la question de l'avenir du statut politique du Québec. Il faut le sortir du milieu partisan et le placer carrément dans le pouvoir constituant de la population québécoise. Alors, voilà pour le pourquoi et le comment maintenant. Évidemment, on peut aller dans bien des détails, mais je vais m'en tenir à les très grandes lignes qui, avec le temps, me paraissent les plus essentielles. Premièrement, l'Assemblée constituante doit être convoquée par l'autorité légitime si possible. Suite à une initiative populaire, ce serait encore mieux. Sinon, si elle n'est pas convoquée par l'autorité légitime,
elle pourra difficilement mener le processus adéquatement et jusqu'à l'adoption contraignante de la Constitution. Ça, c'est clair. Un jour ou l'autre, si on en fait une pure initiative citoyenne, un jour ou l'autre, il va falloir imposer le résultat. Et si le pouvoir en place n'est pas d'accord, on va devoir la faire, la révolution. Après, sinon avant. Donc, je pense qu'il faut, dès le départ, et au Québec, la possibilité existe particulièrement bien, à mon avis, étant donné la grandeur du Québec, étant donné déjà, faut pas oublier que l'Assemblée nationale, l'an dernier, a tenu une session de plusieurs heures sur la convocation d'une Assemblée constituante. C'est déjà rendu loin, si on veut. C'est sûr que ce décret de convocation-là devrait faire l'objet d'une consultation publique, d'après moi, de façon à impliquer dès le départ toute la population dans ce chantier démocratique et qu'on ait vraiment le sentiment que pour un an, deux ans, on va, toute la population, tout le peuple québécois va se mettre en chantier pour dire une première fois dans l'histoire comment il veut se gouverner, comment il veut être, sans aucune contrainte de l'extérieur. Deuxièmement, la Constituante doit être composée de citoyens représentatifs de toutes les régions et les catégories sociales du Québec et libres de toute allégeance. Ça, c'est très important. Parce que pour beaucoup de gens encore, en politique, pour la plupart des politiciens, quand on parle de constituante, ils voient là-dedans les élus, des experts, des dirigeants, des représentants des partis politiques, tous les gens qui sont en conflit d'intérêts dans un tel exercice qui risquent d'agir pour préserver leur pouvoir plutôt que celui du peuple. Donc, c'est très, très important. Et la seule façon d'y arriver, d'éviter qu'une constituante soit noyautée par des intérêts politiques ou partisans ou par des intérêts particuliers, privés, c'est le tirage au sort, selon des modalités qui peuvent varier, mais le tirage au sort, ou en tout cas une partie très importante de tirage au sort, est essentiel si on veut avoir une constituante représentative libre de toute allégeance. Troisième point, c'est le mandat de la constituante doit obligatoirement être ouvert, c'est-à-dire non partisan. Ce point est particulièrement important au Québec, où les indépendantistes voudraient que la Constitution proposée soit obligatoirement celle d'un Québec indépendant, tel que le proposent les indépendantistes. Ce qui, au départ, est divisé et se mettre à dos toute la partie de la population qui, en ce moment, au point de départ, en tout cas, n'adhère pas à l'idée d'indépendance. Donc, si c'est absolument essentiel que le processus constituant se fasse sans préalable imposé et surtout pas un préalable sur le statut politique du Québec. C'est vraiment le peuple qui doit librement définir le type de statut politique, le type de souveraineté qu'il veut pour le Québec. Et ce ne sera probablement pas celui que les partis indépendantistes ont dans la tête. Mais je pense que c'est la condition sine qua non d'un processus constituant qui peut rassembler l'ensemble de la population du Québec. Et alors là, pendant un an, deux ans, toute la population fera son chemin et évoluera, sera amenée à évoluer de toute évidence vers des positions qu'on ne soupçonne peut-être même pas au départ. Enfin, quatrièmement,
les constituants doivent disposer des moyens financiers nécessaires, de la possibilité de recourir à des experts ressources selon les besoins et de mesures suffisantes pour encadrer le débat public de façon à éviter le contrôle de l'information par des intérêts privés. Ça, ce sont des éléments qui devraient entrer normalement dans un décret de convocation. Et je dirais pour terminer que moi, je compte. Vous avez 30 secondes pour faire un petit résumé pour terminer. D'accord. Pour que le processus soit vraiment un processus qui implique toute la population, il faut que les constituants se considèrent comme ceux qui sont appelés à coordonner le processus de toute la population. Donc, de consulter la population, de faire un va-et-vient continuel avec la population et non pas de vouloir tout régler à l'intérieur de l'Assemblée constituante, même si celle-ci est entièrement libre de toute allégeance. Alors, voilà les conclusions, moi, à laquelle j'arrive au bout d'un certain nombre d'années de travail sur cette question-là. Parfait. Merci beaucoup, Roméo. On va piger un autre nom. Bon. Ben là, je peux prendre la parole. Je peux parler maintenant, si vous voulez. Ah, ben là, vous avez donné votre tour à Roméo. Pour être juste, pour être juste. On ben, j'ai bien fait, d'ailleurs, parce que c'est très clair. C'est très oui, clair, mais je peux prendre le tour que vous m'aviez donné. C'est votre tour parce que je vous ai pigé. Donc, allez-y. Oui, OK. Alors, donc, je suis très content que ce soit Roméo parce qu'il y a la clarté dans ce que c'est, là, finalement, une constitution. C'est le processus le plus démocratique qu'une société peut se donner. C'est donc l'ensemble de la population, la souveraineté du peuple qui décide de se donner une loi fondamentale qui dépendra, qui va définir quelles sont les valeurs de cette société-là, à quoi elle tient absolument, disons, la liberté d'expression, la liberté, les différentes libertés, les différents droits. Quelles sont aussi ses spécificités? Au Québec, par exemple, il y en a une qui tombe sous le sens, c'est que la langue française devrait faire partie, quelque part, d'une constitution, d'un principe fondamental, puisque c'est une distinction essentielle. La constitution, dans chacun des États, dans chacun des pays, elle définit clairement les valeurs de ce pays-là et aussi ses différences entre ce pays et les autres pays. Les autres aspects d'une constitution, ça va assez loin. C'est donc de définir les rapports qu'il y a, par exemple, entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Ça, c'est une question fondamentale. Les aspects, même si on ne définit pas ce qu'elle serait le contenu d'une constitution, on sait quand même que généralement, c'est cela qu'elle définit. Elle va définir aussi la délégation du pouvoir, comment le peuple s'assure que sa souveraineté va être exercée par des gens qui vont le représenter, mais selon les modalités et le contrôle que le peuple va exercer sur ses élus ou sur les gens qui vont mettre en œuvre ses valeurs et aussi ses différences. Elle doit aussi, cette constitution-là, tenir compte de la réalité du territoire, ce dont Roméo parlait. Il y a différentes régions, il y a une répartition des pouvoirs qui sont entre un gouvernement central, des gouvernements régionaux et même des gouvernements municipaux. Donc, il y a tout un tas de questions passionnantes sur lesquelles l'ensemble du peuple devrait pouvoir se prononcer d'une façon claire et s'assurer que, quelles que soient les décisions des gens qui seront en charge de mettre en œuvre ce qu'il y a dans la Constitution, ils puissent garder le pouvoir. Donc, on parle par exemple d'une initiative populaire, de l'appel au référendum, de ces choses-là. Comment ça doit se faire? Bien, je pense que Roméo l'a très bien décrit. Il faut que ce soit une démarche qui, légitimement, là, pour nous, on est quand même un peuple qui existons, et on a quand même un certain pouvoir et on doit exiger du pouvoir politique qu'il mette en place un processus indépendant qui permette le type de démarche dont Roméo parlait, c'est-à-dire une démarche entièrement apolitique et détachée des groupes d'intérêt et des groupes d'influence. Donc, que ce soit, et c'est là que le hasard devient une nécessité, pour reprendre les mots de Jacques Monod, et que là, chacun, il devrait y avoir un processus qui soit le plus démocratique, représentatif et libre pour que les constituants puissent avoir
aussi les outils pour bien travailler. Et on a vu ce modèle-là. On sait que c'est un modèle possible, imaginable. Essentiellement, c'est ça la Constitution. L'idée de définir le statut politique à partir d'une constitution, même à l'intérieur du Parti québécois, moi, ça m'a toujours semblé absurde parce que après deux référendums, on voit bien qu'il y a la majorité de la population a rejeté ce statut politique, ce qui ne veut pas dire qu'ils le rejetteront toujours. Je pense qu'il y a plusieurs indépendantistes ici autour de cette table, mais il faut séparer les deux absolument. Et moi, je serais j'ai la conviction intime que si on arrivait à créer un processus vraiment démocratique de l'écriture et de la mise en œuvre d'une constitution, effectivement, je crois qu'on aboutirait à un statut politique, par exemple, qui pourrait être très étonnant. Si on définissait bien le type de pouvoir, le type de valeur, le type de différence, donc le type de société qu'on est, si on arrivait à décrire ça suffisamment clairement, c'est évident qu'il y aurait la naissance de l'expression d'un statut politique et probablement assez original, assez surprenant. On peut toujours espérer que ça nous mène vers un type vers l'indépendance, mais on peut aussi imaginer qu'il y aurait d'autres formes. Parce que c'est une question centrale. Dès qu'on parle de ça, on entre tout de suite dans la polarisation politique. Et si on veut que ça réussisse un jour, il faut détacher l'un de l'autre. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Parfait, merci Pierre Curzi. Juste rappeler aux gens, quand c'est pas votre tour de parler, s'il vous plaît, juste vous assurer de fermer votre micro pour pas qu'on ait de problème de son. Donc, la prochaine personne à parler, Amir Kadir. Bonjour tout le monde, merci Madame l'animatrice Julie. J'aurais souhaité que vous preniez part à notre conversation. D'abord, je remarque que vous prenez des habitudes en nous présentant ou en nous donnant la parole qui semblent démontrer une tendance pour le type de démocratie au tirage au sort ou pour le type de la formation d'une assemblée constituante. Je ne sais pas s'il y a un clin d'œil là-dedans, mais c'est sûr que... L'approfondissement des qualités démocratiques de débat en société, pourvu évidemment que certaines conditions soient réunies. C'est sûr que quand il y a d'énormes différences, d'énormes inégalités qui ne confèrent pas, ils ne donnent pas les mêmes moyens à tout le monde de participer au débat de manière équitable, ça introduit toutes sortes de problèmes à cette participation égale et équitable, mais on reviendra là-dessus probablement lors de la discussion. Ce que moi je voulais souligner, c'est que toute cette question de l'Assemblée constituante semble bien loin des préoccupations au quotidien des Québécois, des citoyens ordinaires dans une société, ma foi, quand même, démocratiquement, économiquement, relativement avancée, toutes choses étant relatives, surtout qui est tout à fait stable sur le plan de ses institutions politiques et économiques, malgré les soubresauts qu'a connus le Québec à partir de la Révolution tranquille dans son processus d'émancipation sociale et politique. Somme toute, par rapport à d'autres pays, nous sommes quand même dans un ensemble occidentale relativement stabilisée par des rapports de force de domination, des structures qui étaient là. J'emprunte à une terminologie qui est la mienne, que tout le monde ne partage pas, mais bref, c'est pas ça qui est important. Mais ce que je voulais dire, c'est que bon, évidemment, on a des extrêmes aussi. On a d'autres nations qui ont réussi à se départir des cadres anciens, renverser des ordres anciens. Que ce soit aux États-Unis et en France, les États-Unis ont une constitution, les Français, si je ne me trompe pas, sont rendus à la 5e République, c'est-à-dire qu'en à peu près 230-240 ans, ont quand même se sont donné les moyens et le temps de réfléchir sur leurs lois fondamentales à 5 reprises et de mettre ça sur papier. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, dont la France insoumise, qui poussent, et je crois aussi les Gilets jaunes poussent pour une
sixième république, donc de refonder la république, etc. Et puis à l'autre extrême, on a des pays comme l'Équateur. J'en parle parce que j'y étais en 2008 pour apprendre avec ma grande, en grande stupéfaction que entre 1830, c'est-à-dire son indépendance de l'Espagne, et 2008, où moi je m'y rendais avec deux camarades, l'un de ses camarades étant mon père, pour assister à leur délibération en Assemblée constituante en juillet 2008, que c'était leur 20e en moins de 200 ans. Donc, il n'y a rien d'anormal, il n'y a rien de plus normal, autrement dit, pour un peuple qu'à chaque fois qu'il est devant des interrogations, des choix importants pour son devenir, pour ses réorientations, de se donner les moyens de réfléchir collectivement et de coucher sur papier les lois fondamentales du pays, de la nation. Donc, il faut absolument répéter le fait que procéder à l'écriture d'une constitution, ce n'est rien d'exceptionnel. Bien sûr, nous sommes dans le cadre de la domination encore coloniale ou des vestiges du colonialisme britannique dans lequel le peuple n'a pas grand droit et donc que le peuple s'assoive pour puisse avoir les moyens, qu'on donne les moyens ou se donne les moyens de s'asseoir et d'écrire ses règles, ben, c'est certainement pas dans le code génétique de la monarchie, que ça constitutionne ou pas. Donc, il faut surmonter cet atavisme historique, mais quand même, moi, je voudrais mettre l'emphase aussi sur, malgré ça, en dépit de ce que je viens de dire, il y a des expériences qui sont proches, qui peuvent témoigner des potentialités absolument incroyables de l'exercice démocratique de se réunir ensemble. Puis c'est là-dessus que j'aimerais convaincre les indépendantistes comme les non-indépendantistes de l'absolu intérêt que nous aurions pour toute quête démocratique, quels que soient les enjeux de société que nous croyons être de l'ordre du bien commun, l'outil de la constituante. Évidemment, on ne peut pas répéter une constituante à chaque année, mais lorsqu'on est devant des grands bouleversements qui appellent à des remises en question, que ce soit les changements climatiques, que ce soit la question de l'irruption de l'Internet et du digital dans nos vies, que ce soit les questions qui touchent à la pandémie qui met à l'ordre du jour la nécessité de grandes remises en question, le processus de constituante est évident. Au Québec, en dépit des apparences, on a quand même quelques expériences qui s'y rapprochent. Elles ne sont pas toutes heureuses, à mon avis, mais ça fait partie de ce qui peut s'en rapprocher. Combien de temps il me reste, Julie, pour que je sache comment accorder mon temps? 2 minutes. Quoi? 2 minutes? On va avoir une période de discussion. On va avoir une période de discussion par la suite. Je vais les nommer alors. Les gens se souviendront, moi, j'y étais pas, les États généraux du Canada français. À la fin des années 60, je pense que ça s'est étalé sur 2-3 ans. Ça, tout le monde l'admet pour ce qui est de la langue française, pour ce qui est de la... je dirais, des institutions aujourd'hui francophones qui protègent le fait français au Québec, ça a été absolument capital et déterminant. Plus proche de nous, je voudrais vous rappeler l'expérience du référendum de 95. Jacques Parizeau, encore le grand Jacques, avait comme idée de convoquer le peuple à une espèce d'assemblée itinérante qu'il y avait partout au Québec où on demandait aux gens de venir formuler un certain nombre d'idées où il était question, bon, qu'est-ce qu'on fait par exemple avec l'armée, avec l'argent, avec le partage des dettes, etc. C'est quelques questions assez pointues que M. Parizeau voulait consulter le peuple pour savoir, bon, quelle est l'orientation prise par le mouvement indépendantiste. Mais le peuple s'en est pas tenu à ça. Dès qu'on lui a donné les moyens avec cette assemblée qui était dotée de moyens relativement appropriés, il n'y a pas eu juste quelques cinquantaines d'experts qui ont participé. Il y a eu plus de 1000 présentations. Autrement dit, on a donné l'opportunité à la population, à ses différentes composantes de s'exprimer. Les gens sont venus avec des propositions de constitution d'un nouveau pays. Autrement dit, dans notre société, dans toutes les sociétés, il y a cette capacité pour la population, de manière autonome, de générer des idées pour ériger et mettre sur pied un processus constitutionnel. On l'a vu dans l'expérience de 1995. Mais je ne m'en tiens pas à ça. 2005, d'accord? Je n'en nommerai même pas les États généraux de type, par exemple, du mouvement populaire, du mouvement logement social et sans-abri. Il y en a eu plusieurs. Mais en 2000... Charbonneau, Jean-Pierre, d'accord, président de l'Assemblée nationale, mandate
Claude Bellin. Président du mouvement des jardins, doit organiser une consultation publique sur la réforme du mode de scrutin. On devait parler réforme du mode de scrutin, mais si vous consultez, si vous allez voir le contenu des consultations, les gens ne s'en tenaient pas à ça. Encore une fois, lorsque l'opportunité était donnée, des centaines de gens sont venus parler du contenu d'une république presque, parce que la réforme du mode de scrutin permettrait comme mobilisation alentour de la, je dirais, des dynamiques sociaux en mouvement et en changement. De quoi d'autre je voulais parler une autre. Bon, il y a d'autres exemples que je pourrais donner, mais on y reviendra, comme tu as dit, lors de la discussion qui s'en vient. Désolé, je me suis laissé animer. Je voulais garder. Ça va, on aime ça. Bon, on aime ça, des discussions animées comme ça. Étienne Chouard, à votre tour, comme je disais tout à l'heure, il va y avoir des discussions et vous inquiétez pas, je vais participer activement à ces discussions-là. Étienne Chouard, à votre tour. Alors, pourquoi une constitution de comment? Plutôt que de faire une espèce d'exposé à mon tour, je voudrais vous me servir de ce que vous avez dit comme point de départ pour réagir, parce qu'en fait, c'est une autre façon de présenter tout ça. Roméo disait « Le Québec n'a pas de constitution et donc c'est une opportunité, mais je voudrais signaler que la France n'en a pas non plus. Notre constitution est un fake, c'est une fausse. Elle s'appelle constitution, mais en fait, c'en est pas une. Une constitution digne de ce nom, ça doit avoir été écrit par le peuple. Si ça a été écrit par les maîtres du peuple, c'est une fausse. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à penser correctement. C'est-à-dire que quand on accepte d'appeler ça une constitution, c'est un peu comme quand on appelle d'appeler, quand on accepte d'appeler démocratie un régime qui ne donne aucun pouvoir au peuple, on n'arrive plus à penser, parce que quand on dit, mais quand on est effectivement dans une situation où on a besoin de la démocratie, on nous dit, mais mon vieux, mais vous l'avez, qu'est-ce de quoi vous nous parlez? Et on n'arrive pas à penser, on n'arrive pas à avancer avec des mots à l'envers. Et donc, je pense que nous sommes dans le même état, les Québécois et les Français. Nous sommes dans une situation d'impuissance politique qui est très comparable, qui est la même. Et le fait que nous ayons une soi-disant constitution n'y change rien. Notre impuissance est verrouillée. Vous disiez aussi, Roméo, pourquoi une constitution? Pour sortir de l'impuissance politique. Je dirais que une constituante, alors vous avez corrigé après, mais quand je vous ai entendu dire ça, j'ai tout de suite écrit qu'une constituante ne suffit pas. Parce que des constituantes, il y en a eu partout dans le monde, et à chaque fois, ça a débouché sur l'impuissance populaire. En fait, vous l'avez dit après, la composition de l'Assemblée constituante est tout à fait vitale et décisive. Si vous élisez l'Assemblée constituante, vous déboucherez sur l'impuissance populaire. L'élection, la procédure de l'élection est le mécanisme qui débouche sur notre impuissance politique. Et en fait, c'est ça qu'on découvre dans les ateliers constituants. Quand on réfléchit à la Constitution, on s'aperçoit, on étudie chacune des procédures, et vraiment, quand on étudie la procédure de l'élection, il ne faut pas que je dise de gros mots, mais c'est une très mauvaise procédure. C'est une procédure qui a tous les défauts, une dizaine de défauts gravissimes, dont le moindre d'entre eux suffirait à dire « Ok, il nous faut autre chose ». Et à chaque fois que vous regardez les défauts de l'élection et que vous pensez à jeter un œil du côté du tirage au sort pour voir si le tirage au sort n'aurait pas le même défaut, vous apercevez que c'est comme un miroir, en fait. Le tirage au sort a les qualités qui correspondent aux vertus, aux vices de l'élection. L'élection nous déresponsabilise alors que le tirage au sort nous responsabilise. L'élection pousse au mensonge alors que le tirage au sort dissuade du mensonge. Ça ne sert à rien de mentir, puisque de toute façon, on sera tiré au sort. Il n'y a pas de place pour la volonté, il n'y a pas de place pour les escrocs, etc. Je n'ai pas le temps, hein, en 10 minutes, de faire le tour de tout ça, mais il me semble que la constituante toute seule, le concept de constituante, ne suffira pas à nous émanciper. Comme vous l'avez dit après, Roméo,
le fait que l'Assemblée soit composée de simples citoyens, qui ne soient pas des experts, qui ne soient pas des politiciens de métier, qui ne soient pas en conflit d'intérêts, est absolument décisif, beaucoup plus important. D'autre part, quand on réfléchit beaucoup à l'Assemblée constituante, et ça a été vraiment mon cas pendant presque la totalité de ces 15 ans, et je suis en train de me transformer sur ce point, je vais vous dire pourquoi, quand on se concentre sur l'Assemblée constituante, on focalise sur un moment décisif, absolument essentiel, d'où il faut absolument retirer les politiciens de métier, parce qu'eux n'ont rien à faire. Il y a un moment, Amir disait, je ne sais pas si c'était Amir ou Pierre, disait il faudrait que les politiciens nous, enfin quand même, nous mettent en place un processus. Mais ce n'est pas eux qui doivent faire ça. On n'a pas besoin d'eux. Il ne faut pas qu'on ait besoin d'eux. Il faut que ça vienne de nous. Il faut que ça vienne du peuple. Mais il faut pas, à mon avis, hein, il ne faut pas se contenter de ce moment de l'Assemblée constituante. Parce que, comme le disait Amir un peu plus loin, on va tout le temps avoir besoin de modifier notre constitution. Vous ne connaissez pas l'exemple de l'Équateur, ça m'intéresse, je vais y bosser. 20 constitutions, il faut voir si ce sont des vraies ou si ce sont des fausses. À mon avis, elles sont fausses, hein, mais bon, ça ne fait rien, il y a quand même cette variété. Il me semble qu'on a plus besoin d'un processus constituant populaire et permanent que simplement une assemblée constituante. Alors, l'assemblée constituante sur laquelle vous travaillez va pouvoir l'instituer justement, ce processus constituant populaire permanent. Il faudra bien que les constituants y pensent, il faudra bien que les premiers vrais constituants, c'est-à-dire des simples citoyens, pensent à dépasser le seul moment dans lequel ils sont en train de vivre et qu'ils préparent l'évolution de cette constitution, donc toute la révision, toutes les prochaines révisions. Et un concept qui est en train de devenir presque plus important pour moi que l'Assemblée constituante est celui du RIC constituant. Vous savez qu'on a vécu, là, en France, on a vécu pendant 2 ans le mouvement des Gilets jaunes, que les Gilets jaunes, de façon historique, se sont… j'ai pas beaucoup de temps, alors c'est difficile de retenir l'essentiel, mais les Gilets jaunes, les damnés de la terre, les plus maltraités, ayant un mal de chien à vivre, ont commencé par formuler des requêtes législatives, comme tous les peuples du monde qui se révoltent. Ils ont demandé, moins d'impôts, de meilleurs salaires, ils ont demandé à leur maître, en se tournant vers eux, comme d'habitude, quoi, comme font les peuples du monde habitués à être asservis par les élus, ils se sont tournés vers eux en disant « soyez moins cruels ». Et ils ont fait une liste de doléances qui sont des doléances législatives. Et au milieu de ces doléances, il y avait le RIC, il y avait le référendum d'initiative citoyenne. Je ne sais pas comment c'est arrivé là, et c'est dans leur collectif, il y avait sûrement des gens qui faisaient partie de ceux qui bossaient là-dessus depuis avant et qui ont comme semé des graines dans ce terreau ultra fertile d'une insurrection. Et dans la réflexion, très vite, hein, mais ça s'est passé en quelques semaines, c'est fabuleux la façon dont ça s'est passé, hein. Ils ont percuté sur le fait que c'est ça qui était la ligne la plus importante, parce qu'en fait, le RIC, ça n'est pas législatif, c'est constituant, ça ne dit pas une loi qu'on veut, ça dit la place qu'on veut avoir dans toutes les lois. Et ça, c'est tout à fait, c'est comme une baguette magique. Enfin, dans une réflexion législative, le RIC, c'est le référendum d'initiative citoyenne. C'est-à-dire le référendum, on n'élit pas. Quand on élit, on renonce à décider. Élire n'est pas voter. Quand je vote, je décide. Quand j'élis, je renonce à décider. Et donc, en s'apercevant que cette procédure du référendum où on décide, d'initiative populaire, c'est nous qui décidons même des sujets sur lesquels on va décider. Ils se sont aperçus que ça, c'était plus important que tout. Si on avait ça, on aurait tout le reste, et plus encore. Et ils se sont concentrés sur cette doléance-là, et ils ont commencé à se concentrer, à dire, ben, on veut le RIC, on veut le RIC. Mais ça veut dire, donnez-nous le RIC. Mais donnez-nous le RIC, ils étaient encore dans la même erreur où nous avons besoin de nos maîtres pour nous émanciper. Nous demandons à nos parents de nous donner notre liberté. Ce n'est pas comme ça que ça se passe quand un adolescent... Il a obéi toute sa vie. Et puis à un moment, ça lui vient, il veut être libre, mais il ne demande pas la permission à ses parents. Nous n'avons pas à demander l'autorisation à nos élus. Et les Gilets jaunes ont commencé par dire aux élus, ont commencé à formuler des requêtes en disant « on veut le RIC ».
quand ils ont vu la réaction des élus qui détestent l'idée, ils préféraient mourir que nous donner ça, évidemment, ils se sont aperçus donc qu'ils n'auraient que s'ils l'écrivaient eux, et ils se sont mis à faire des ateliers sur tous les ronds-points, les péages. C'est une période magnifique, vous n'avez pas idée. Quand on était, pendant 2 ans, je suis allé plusieurs fois par semaine, j'allais partout dans le pays, j'étais prof en même temps, j'avais cours, des copies, mais j'avais des conférences partout dans le pays, et dans chaque rond-point, sur chaque péage, alors tous les gilets jaunes n'étaient pas constituants, mais il y avait des constituants partout, et ils écrivaient eux-mêmes le RIC qu'ils voulaient, et dans le RIC qu'ils voulaient, ils s'apercevaient que le plus important, c'était le RIC constituant. Étienne, je dois vous demander je vous laisse 30 secondes pour terminer. Ensuite, on va passer à nos discussions, donc on pourra élaborer. De toute façon, 10 minutes sur ce sujet, c'est quasiment rien, donc, parce que sur chacun des points que j'ai évoqués, on peut parler vite. Donc, j'attire votre attention sur le fait que nous sommes en train, en France, compte tenu du fait que le tirage au sort... à mon avis, est la procédure démocratique. Ça, c'est à mon avis, c'est pas, enfin, c'est discutable, tout est discutable, mais ça va être compliqué pour quelqu'un de démontrer que il y a une autre procédure démocratique, plus démocratique que le tirage au sort. Mais le tirage au sort, malgré tout, fait peur. C'est-à-dire que il nous clive. C'est difficile, en fait, pour moi. Je vois bien. Ça fait 15 ans que je me bagarre avec et que je vois bien que le tirage au sort est clivant. Il est comme un frein. Alors que le RIC est passé comme une lettre à la poste. En France, vous avez 80% des gens depuis 30 ans dans les sondages qui disent « nous, le RIC, on le veut ». Donc, c'est déjà fait, en fait. Les gens très facilement acceptent l'idée du référendum d'initiative citoyenne. Et passer du RIC au RIC constituant, ce n'est pas compliqué. Et en fait, il y a un mouvement en France qui s'appelle le Mouvement Constituant Populaire, le MCP. Je vous engage à regarder ce qu'il fait. Et eux, ils préfèrent mettre la priorité. Je trouve ça malin. Sur le RIC constituant, parce que ça va nous permettre d'être plus nombreux, plus vite, et peut-être que vous allez me contester là-dessus, mais nous aurions la même souveraineté populaire permanente, constituante. Avec une procédure. Je vous arrête juste pour être juste avec tout le monde. On va passer à la période de discussion. Donc, vous pouvez tous ouvrir vos micros. Moi, je vous entends. J'ai vraiment écouté avec beaucoup d'intérêt. Comme je vous disais au départ, moi, je suis néophyte là, pour ce qui est de la question d'une constituante citoyenne. À mon avis, moi, ça a été vraiment une révélation pour moi, cette idée-là, des citoyens qui écrivent leur constitution. Et je pense qu'actuellement, on est dans une crise. Je pense que la population est très divisée sur le genre de crise qu'on vit. Pour certains, c'est une crise sanitaire. Pour d'autres, c'est beaucoup plus une crise politique. En ce moment, il y a énormément de citoyens qui ne se sentent pas représentés, qui ont l'impression qu'il n'y a pas d'opposition. Au Québec, je ne sais pas si c'est la même chose en France, je crois que oui. Donc, je pense qu'il y a vraiment un problème de représentation. Et là vient toute la question des élections dont vous parliez, Étienne. Donc, je vous laisse discuter et renchérir sur ce qui a été dit jusqu'à présent. Je vais encore une fois, oui, tirer au sort pour voir qui va s'exprimer en premier. Donc, Pierre Curzi, c'est à vous. À m'exprimer sur ce qui vient d'être dit par M. Choix. Est-ce que vous voulez renchérir sur tout ce qui a été dit? Ben, je pense qu'il y a un sujet de discussion. Je pense que tout le monde est assez d'accord avec le principe que le tirage au sort est la formule la plus démocratique. Je reviens cependant sur le processus. On est en droit, ayant élu des représentants, quelle que soit notre opinion de ces gens qui sont élus, d'exiger qu'ils mettent en place un processus qui leur échappe, autrement dit un processus qui serait hors de l'influence du pouvoir politique, mais qui offre aux citoyens les moyens de faire cette démarche-là. Enfin, il me semble que c'est ce que Roméo Bouchard disait tantôt au début dans sa présentation. Ça me semble logique, en tout cas pour le moment, et ça me semble logique parce que ça permet, à partir d'une véritable démocratie populaire, de citoyens qui sont choisis au hasard, ça leur donne les outils qui leur permettraient. C'est sûr que c'est pas, ça pourrait être influencé et tout ça, mais ça leur donnerait au moins des moyens et des outils, me semble-t-il, d'arriver à leur fin.
Pour ce qui est de ce que vous appelez le RIC, pour moi, c'est quelque chose qui ressemble au mandat d'initiative, si j'ai bien compris. C'est ce qu'on appelle ici le mandat d'initiative populaire. Il me semble que c'est un processus justement qui devrait être clairement établi dans une constitution, c'est-à-dire le moyen permanent pour un certain nombre de citoyens de défendre, d'exiger qu'il y ait une prise de décision de l'ensemble des citoyens sur un sujet. On parlait de l'environnement, on peut parler de la langue, on peut parler de l'économie, des injustices, on peut parler de ce qu'on voudra, mais qui est ce mandat d'initiative-là m'apparaît être un processus. Et en ce sens-là, s'il était inscrit dans une constitution, il me semble qu'il serait permanent. Ce serait une façon d'y avoir accès tout le temps, d'une façon très démocratique. Ça rejoindrait, me semble-t-il, l'objectif dont vous parliez. Parce que c'est sûr que pour amener les gens à exiger l'existence d'une assemblée constituante, la société civile, puis j'y ai quand même travaillé pas mal dans la société civile, dans différents regroupements, c'est extrêmement complexe juste de rendre cette question-là claire pour les gens, puis de leur dire, ce pouvoir vous appartient, prenez-le, et arriver à ce que ce processus soit entièrement populaire, peut-être que ça demande justement des conditions exceptionnelles comme celles qui ont prévalu à l'arrivée des Gilets jaunes en France. Mais normalement, je pense que ce processus démocratique-là, il faut qu'il soit initié. Bon, on fait partie des gens qui pourraient l'initier, mais il faut qu'il bénéficie d'un cadre quelque part pour qu'il devienne populaire, si j'ose dire, en quelque sorte. Mm-hmm. Voilà. Mais c'est ça. Comment exiger une constituante citoyenne? Je pense que c'est... Ouais, Amir? Je peux parler. Mais c'est sûr que, d'abord, je reviens sur ce qu'a dit M. Chouard, une constitution, ce n'est pas tout. Même l'Équateur, qui en raison de l'émergence au pouvoir au terme d'une révolution populaire, qui était vraiment de l'ordre d'une révolution, d'une insurrection en Équateur au milieu des années 2000, je pense en 2006, ce nouveau gouvernement qui était donc issu des secteurs dynamiques et progressistes de la société, a donné les meilleurs moyens pour l'écriture d'une constitution à la table à laquelle étaient assis tous les secteurs de la société, y compris les autochtones. 10, 15, 20 ans plus tard, les dynamiques d'affrontements sociaux n'ont pas empêché certains secteurs dominants, le secteur des affaires ou en lien avec les pouvoirs ingérants extérieurs, de renverser, ce qui devait découler de la Constitution. Donc, une Constitution, ce n'est pas tout, c'est des rapports de force et de lutte dans la société, et les mêmes rapports qui doivent conduire ceux qui sont en détention, qui détiennent les rênes du pouvoir, à matérialiser ce qu'on souhaiterait faire. Évidemment, si la population, si certains mouvements sociaux, que ce soit les syndicats, les groupes populaires, ont les moyens de se doter eux-mêmes de cette structure, de cette convention populaire qui est la constituante ou quelque chose qui y ressemble, tant mieux. Mais parfois, ces luttes-là mènent de différentes manières, puis une de ces manières, c'est l'élection de certains députés qui portent cette revendication, c'était le cas de Québec solidaire, mais ça peut conduire à faire irruption au sein même du Parlement, d'accord, quelle que soit la nature de ce Parlement. Donc en 2014, par exemple, lorsque j'étais encore député, à l'élection de 2014, nous avons présenté la constituante comme un de nos 5 ou 6 points majeurs. On l'a budgété 150 millions de dollars. On en a proposé certains mécanismes. On lui a donné un an et demi. On s'est dit, on va déterminer un certain temps pour aboutir un an et demi à une refonte de la Constitution du Québec qui doit mener donc à toutes les possibilités qu'envisage cette Assemblée constituante, pendant lequel l'Assemblée nationale ou les députés ne font que vaquer aux affaires pendantes de l'État, mais c'est l'Assemblée constituante qui va déterminer la forme future des institutions démocratiques, etc. Donc, ça peut faire irruption, mais évidemment, ça ne réussira pas du premier coup. C'est au bout de
plusieurs allers-retours de ce genre de lutte, de ce genre de rapport de force qu'il faut bâtir. Il faudra plusieurs mouvements, entre guillemets, gilets jaunes, pour que petit à petit, ben, les gens s'approprient, la population s'approprie cette revendication et force les détenteurs du pouvoir à le réaliser. Parfait. Est-ce que quelqu'un veut réagir à ce qu'Amir vient de dire? Étienne, Roméo? Oui, ça va dans le sens de... Excusez, il y a comme un écho, non? C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord que l'exercice constituant ne doit pas être isolé de tout un mouvement de population, de tout un mouvement vers la réforme de la démocratie, la réforme des institutions démocratiques. C'est important que le débat soit plus large que uniquement la Constitution. L'expérience qui m'a le plus éclairé, c'est celle de la Bolivie. Amir parle de celle de l'Équateur, qui est excellente aussi. Celle de la Bolivie, elle a été précédée de 15 ans de prise en charge des problèmes sociaux par les syndicats, par les mouvements de femmes, par les mouvements autochtones. Et il y a eu tout un bouillonnement, d'ailleurs, qui a permis l'accès au pouvoir de Evo Morales, qui était un des grands leaders de ça. De sorte que quand, en arrivant au pouvoir, Morales a convoqué l'Assemblée constituante et qui s'est tenue en l'espace d'un an parce que déjà la population avait des rapports, des mémoires de préparer sur ce qu'elle voulait. T'sais. Je pense que ça ne s'improvise pas un processus constituant. Et si on veut que ce qui va être inscrit dans la Constitution soit éclairé, soit large, il faut que ça soit nourri par tout ce mouvement-là. Et j'ai bien aimé les exemples qu'a apporté Amir de quand on consulte la population au Québec, la réponse, elle est extraordinaire. Le rapport Pronovo, par exemple, sur l'agriculture, il y a eu 800 mémoires, il y a eu... Tu sais, les gens répondent. Et quand actuellement, les gens dans le public, souvent les dirigeants ne croient pas à la démocratie. Ils ne croient pas que le peuple peut faire des choses intelligentes. Mais je leur dis, écoutez, regardez, dès qu'on leur donne la parole, ils vont plus loin que tout ce que vous avez mis dans vos programmes politiques. Hein? Alors, je pense qu'il faut introduire ça. La seule autre petite remarque que j'ajouterais, c'est à propos de l'initiative populaire citoyenne que Étienne semble privilégier comme stratégie plutôt qu'une convocation par l'État, par l'autorité légitime. Moi, je pense que on ne peut pas éviter, si on veut que la démarche populaire de constituante ou d'initiative populaire soit contraignante pour le pouvoir en place, il va falloir le gagner, ça. Alors, si on n'obtient pas que le pouvoir convoque cette assemblée-là ouverte, on n'est pas plus avancé, parce qu'après, le pouvoir peut se buter tout simplement contre le résultat de l'initiative populaire, parce que ce n'est pas un procédé qui est légitimé dans les institutions. Alors, je pense qu'on ne peut pas éviter d'avoir à passer par le pouvoir établi, quelque part, au début ou après. C'est la révolution, on l'a fait au début ou à la fin.
Écoutez, c'est sûr que moi, j'entends ça, puis je me questionne beaucoup parce qu'actuellement, il y a plein de gens qui exigent juste un débat public sur la crise sanitaire et ces gens-là sont ignorés. Il y a beaucoup de mépris actuellement envers les gens qui demandent à être entendus par les pouvoirs en place. Il y a plein de décisions qui sont prises. Je pense que tout le monde s'entend pour dire qu'il y a plein de droits et libertés qui sont bafoués en ce moment. Et je ne sais pas, moi, d'après ce que je constate, il n'y a pas d'opposition à ça, nulle part. Parmi les partis politiques, il n'y a pas d'opposition. Donc, je me demande comment on pourrait y arriver si on demandait à écrire une constitution alors qu'on n'est même pas capable de nous donner un débat public actuellement sur la situation actuelle. Donc, je ne sais pas, Amir qui doit nous quitter bientôt, je vous donne la parole. Là-dessus, c'est sûr que c'est un questionnement permanent, c'est-à-dire comment bâtir ce rapport de force, comment en arriver à les transformations, parce que ce que tu demandes, Julie, ou ce que cette alliance citoyenne pour une constituante voudrait demander un jour, c'est sûr que ça ne peut pas se matérialiser du seul fait que quelques-uns d'entre nous, quelques centaines d'entre nous, même quelques milliers d'entre nous, auront décidé que c'est souhaitable. On n'est pas devant une logique dans laquelle c'est l'argument de raison qui prévaut. On est dans une logique dans laquelle c'est l'argument des intérêts qui prévalent, des pouvoirs de domination qui tiennent à leurs intérêts, et cet intérêt peut se manifester de divers... Bon, il y a les intérêts financiers, mais il y a aussi l'intérêt de l'ordre établi, de l'ordre politique, dans lequel remettre en question, par exemple, les prérogatives du Premier ministre dans la gestion d'une pandémie ou une gestion très bureaucratique dépendant d'institutions qui sont minées par toutes sortes de faiblesses. Par exemple, la santé publique au Québec dépend directement d'un ministère qui a un agenda politique qui fait en sorte qu'à l'interne, moi je le vois depuis un an, même les données scientifiques les plus probantes sur ce qu'il faut faire et pas faire. Et là, on peut débattre, parce que même chez les scientifiques, il n'y a pas nécessairement accord. Il y a certaines choses qui se dégagent et ne sont pas nécessairement mises en exécution parce que ça viendrait bousculer un ordre politique qui n'a pas intérêt à ce que ça se passe comme ça, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans la mobilisation du secteur populaire pour contrer la pandémie actuellement. Tout ce qu'on voit, c'est le pouvoir qui, par autorité, décrète. Puis il n'y a personne d'autre qui est mobilisé, sauf le système public ou le réseau public institutionnel qui est sous le contrôle direct de l'État. Donc, c'est sûr qu'on a là toutes sortes de travers que toi, tu questionnes. On n'est pas d'accord sur tout le questionnement, mais je comprends qu'il y a ça. Mais pour qu'on y arrive, et c'est là qu'il y a une grande différence peut-être dans mon approche à moi avec Roméo, je ne veux pas personnaliser, c'est que si on veut arriver là, on ne peut pas bâtir de rapport de force si on n'utilise pas tout l'arsenal de nos moyens. Il y a des mobilisations populaires, il y a des forums citoyens, il y a des mouvements populaires, que ce soit le mouvement paysan ou démocratie nouvelle, mais il y a aussi des partis politiques, parce qu'on ne peut pas, c'est pour le moment, en notre nom, avec nos impôts, eux disposent d'énormes moyens dont le Parlement, qu'ils ont complètement accaparé. Il faut sortir ça de leurs mains. Ça ne veut pas dire que les changements les plus importants viendront de là au moment venu, mais pour que les conditions de ces changements soient réunies, il faut enfoncer notre coin dans toutes les sphères de la société. Donc, il faut bâtir toutes sortes de moyens, y compris des instruments politiques. Et à mon avis, Québec solidaire, ça en sera un. Ça se peut que Québec solidaire se formalise, se bureaucratise, ça devienne quelque chose qui participe de l'ordre dominant, puis un jour, il faudra en faire un autre, mais on n'y échappe pas. Donc, c'est pour ça que je pense que l'importance du travail politique et de ne pas disqualifier les partis politiques et de ne pas les mettre dans le même... Parce que si on fait ça, on fait le jeu du cynisme des dominants qui ont intérêt à ce qu'on n'ait aucun moyen et qu'on leur laisse complètement le champ du pouvoir institutionnel. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est une accumulation des forces dont on a besoin et le champ de la politique institutionnelle, c'en est un. Ce n'est pas le tout, ce n'est pas l'ultime, mais c'en est un. Mm-hmm. Parfait, merci. Merci beaucoup, Amir. Vous allez nous quitter bientôt, donc merci d'avoir participé à la discussion. Étienne, vous voulez réagir?
Toutes les constitutions du monde, le pouvoir est donné aux élus. Et les élus ne redoutent rien tant que de nous le rendre, ce pouvoir. Donc, toutes les solutions qui consistent à demander aux élus de rendre le pouvoir au peuple, à mon avis, sont des impasses parce que je pense que c'est un procès d'intention que je leur fais, mais c'est un procès d'intention qui s'appuie sur les faits, c'est-à-dire que les faits confirment ce que je dis. Je pense que les élus savent très bien que c'est eux qui décident tout et que nous ne décidons de rien. Et ils savent très bien que le référendum d'initiative citoyenne, qui permettrait au peuple de choisir par l'initiative, de choisir les sujets importants, et qui permettrait au peuple de décider par référendum, donc il ne s'agit pas d'élire, il s'agit de décider dans un référendum, en toute matière, les élus savent très bien que cette procédure-là, qui n'est pas l'élection, les déposséderait littéralement de leur pouvoir absolu qu'ils détiennent sur la société en ce moment. Et donc, à part quelques élus, je sais bien que tous les élus ne sont pas comme ce que je décris, je sais bien qu'il y a des élus vertueux qui vraiment sont même prêts à abandonner leur métier si c'était bon pour le bien commun. Il y a des élus vertueux, surtout d'ailleurs à petite échelle. Mais, comme disait Jean Gabin, il y a aussi des poissons volants, mais ils ne font pas la loi du genre. Les quelques élus vertueux qui sont littéralement même des héros, souvent qui se battent dans le système pour essayer de le changer, ne change pas cette observation que je fais que la majorité, c'est la majorité qui décide partout, la majorité des élus préférerait, alors j'exagère peut-être, mais préférerait mourir que nous donner le référendum d'initiative populaire. Et c'est bien le signe que c'est ça qu'il nous faut. Il nous faut cette procédure. Mais nous ne l'aurons jamais en la demandant. Un adolescent, un jeune adulte qui voudrait être adulte, ne demande pas à ses parents. Et l'humanité qui est en train, grâce à l'Internet, de se connecter et de prendre conscience que c'est à elle de s'émanciper toute seule, on n'a pas besoin de nos maîtres pour s'émanciper. Par contre, on a besoin d'une conscience populaire, et c'est tout le boulot des ateliers constituants, moi, que je fais depuis 15 ans. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, je demande rien aux élus, je demande rien aux médias, j'ai pas besoin d'eux. Et entre nous, nous travaillons à ce que nous soyons de plus en plus nombreux, y compris parmi la police, l'armée, c'est super important ça, hein. Le pouvoir, dans tous les pays, chez vous c'est pareil, je suis sûr. Je n'ai pas besoin de connaître bien votre pays pour savoir que le pouvoir tient par la police et l'armée. Et que si la police et l'armée passent du côté du peuple, c'est toujours comme ça que ça marche les révolutions. Si la police et l'armée, sans que le mouvement est tellement vaste, c'est-à-dire qu'il y a chaque policier, chaque gendarme sent que dans toute sa famille, ils sont en train de devenir constituants. Ils veulent plus que ce soit les élus qui écrivent les règles, que ce soit les représentés et qui soient dominés par leurs représentants. Ils sentent que dans leur famille, leurs amis, partout autour de la société, veut que ce soit les représentés qui écrivent les règles de la représentation. Ce que j'imagine, c'est pacifique, c'est que le jour où la police change de camp et passe du côté du peuple, ça aura lieu. Roméo, je pense que vous vouliez réagir à ce qu'Étienne disait, vous aviez le doigt levé. Un peu, oui. C'est-à-dire que je pars de ce que disait Amir à propos des partis politiques. Je pense que actuellement, on a des partis politiques qui sont contre officiellement, là, dans leur programme, qui sont contre une constituante ouverte, à mandat ouvert. Alors, dans ce contexte-là, je suis tout à fait d'accord qu'il faut un mouvement politique qui se construise, ce que Étienne appelle une conscience populaire, qui se construise pour obtenir ces choses-là. Mais la collaboration avec les partis politiques est en place actuellement sur ce dossier-là, elle n'est pas simple parce que, comme je vous dis, au PQ, à Québec solidaire,
les propositions sur les constituantes, ce n'est pas une constituante ouverte. C'est une constituante partisane. Alors, on n'a pas le choix là, de jouer là-dessus. Ça n'a pas empêché quand même qu'il y ait une séance d'une commission du gouvernementale sur l'opportunité de convoquer une constituante et que tous les partis y ont contribué, ont contribué au débat de façon absolument remarquable. Bon, ça c'est... Quant à savoir qu'on n'aura jamais l'initiative populaire, que c'est quelque chose qui est contre le pouvoir des... C'est sûr que c'est l'antithèse du pouvoir actuel. Mais ça peut... Tu sais, la Suisse, l'initiative populaire existe en Suisse. Ça n'a pas entraîné la chute de toute espèce de gouvernement. C'est parce que il faut faire avancer les choses là-dessus. Il faut faire le débat démocratique parce qu'on n'a plus même, on n'a même plus idée de qu'est-ce que c'est que la démocratie. Donc, il faut un vaste mouvement qui doit même devenir un mouvement politique, probablement. C'est ce qu'on avait pensé quand on avait fait la coalition pour la Constituante comme parti. Éventuellement, les partis politiques existants vont être sollicités. Ils le sont déjà, d'ailleurs. Ils en parlent tous de constituants, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans, tu sais, parce que le débat entre de plus en plus. Alors, voilà. Étienne, vous voulez commenter? Allez-y. Je voudrais souligner le fait qu'en Suisse, il y a une trentaine de pays au monde où le RIC existe. Et la plupart du temps, le RIC, donc le référendum d'initiative citoyenne, est limité. Tous les sujets ne sont pas autorisés. Par exemple, en Italie, il y a un référendum d'initiative citoyenne, mais les Italiens ne peuvent pas prendre d'initiative en matière d'impôts. Ça tombe mal parce que nous, on a plein d'idées de référendums sur les impôts et on ne voit pas pourquoi on se ferait priver de ça. Les Italiens ne peuvent pas non plus faire des référendums sur les lois d'amnistie. C'était Berlusconi qui ne voulait pas qu'on puisse le mettre en cause. Sur les traités internationaux non plus, ils ne peuvent pas. Mais nous, on a plein d'idées de référendums super importants sur les traités. C'est comme ça dans tous les partis, dans tous les pays, pardon, il y a des limites qui sont fixées de façon à ce que le RIC ne puisse pas toucher aux choses essentielles. Et surtout, ce que je voulais dire à Roméo, c'est qu'en Suisse, le référendum d'initiative citoyenne est un résidu de démocratie. Et ça n'est pas une démocratie en train de progresser. C'est une démocratie réelle qui s'est éteinte et qui, si vous voulez, au début, les Suisses avaient plus que le RIC. Ils votaient toutes leurs lois comme à Athènes. Ils votaient leurs lois à main levée, canton par canton, village par village. Tous les citoyens votaient les lois, toutes les lois. Et il y a eu ce processus de dépossession par l'élection qui s'est mis en place, donc qui est une réduction de la démocratie. Donc la démocratie suisse s'est affaiblie, réduite progressivement par le jeu des pressions des élus qui ont réussi à obtenir de voter eux les lois et les Suisses non. Et les Suisses ont accepté cette dépossession parce qu'on leur a donné le RIC en échange. Oui, en concession. Mais si vous voulez, la Suisse, elle a le même genre de problème que nous. Bon, le fait qu'ils aient le RIC est une avancée par rapport à nous, mais est une force démocratique par rapport à nous. Mais il faut comprendre qu'ils ont le même problème que nous. Ils ont affaire à des voleurs de pouvoir qui sont en train de prendre le pouvoir en Suisse. Et sur plein de sujets, parce que sur la fraude électorale, les Suisses ont leur dose. Hein. La fraude aux élections en Suisse, c'est effrayant, quoi. Le vote par correspondance, ils ont des enveloppes très fines parce que les élus et les gens au pouvoir scrutent avant d'ouvrir les enveloppes. Ils les font passer devant des lampes fortes et on les voit. On voit dans les bureaux de vote, la nuit, le soir, on voit les éclairs qui flashent les enveloppes pour voir, avant de les ouvrir, quelles vont être les majorités pour tricher. Enfin bon.
Et puis, ils n'ont pas le vote en toute matière. Vous savez qu'ils n'ont pas le référendum révocatoire. Ils ne peuvent pas se débarrasser d'un élu qui ne leur convient pas. Ils n'ont pas, ce n'est pas le RIC parfait. Donc, si vous voulez, je comprends ce que dit Roméo quand il dit que on fait ce qu'on peut. Pour l'instant, il y a une collaboration avec les partis. On va essayer de l'obtenir. Je vous mets en garde parce que nous aussi, en France, on a des élus assez vertueux d'ailleurs, hein, qui font ce qu'ils peuvent pour proposer faire des propositions de loi en matière de référendum d'initiative citoyenne. Mais si vous étudiez leur programme, ils donnent tous les RIC, RIC législatif, donc pour imposer une loi, RIC abrogatoire pour abroger une loi, RIC révocatoire pour virer quelqu'un, mais ils se gardent le RIC constituant. Et quand ils gardent le RIC constituant, ça veut dire que ce qu'ils nous donnent aujourd'hui pour que nous rentrions chez nous, ça s'est fait à l'époque des Gilets jaunes, ça, hein, quand ils nous donnent le RIC législatif, abrogatoire, révocatoire, mais qu'ils ne nous donnent pas le processus de RIC constituant, ça veut dire que dans 2 ans, quand ça va leur péter, quand ça va leur prendre, quand ils vont trouver qu'on exagère, on s'en sert trop, ils pourront nous le retirer, puisqu'ils ont gardé le pouvoir constituant. Si vous voulez, le cœur nucléaire d'une démocratie digne de ce nom, c'est un pouvoir constituant populaire permanent. Et par quelle procédure allez-vous faire ? On pourrait avoir une assemblée constituante qui serait le Conseil constitutionnel, ce serait une assemblée constituante qui ne se dessaisit pas quand c'est fini et qui reste en permanence à délibérer. Mais une assemblée constituante, ce n'est pas nous. Vous avez plein de gens qui protestent en disant « Mais vous, avec votre assemblée constituante, vous me cassez les pieds, vous me dépossédez de ma souveraineté, je veux participer personnellement », disent les gens. Et donc, si vous voulez, il y a une légitimité à ceux qui disent « On veut un processus qui permette au peuple tout entier de participer tout le temps au processus populaire, tous ceux qui veulent. » Et ça, c'est la procédure du référendum qui le permet. Merci Étienne. Avant de passer aux questions du public, Pierre, vous voulez réagir à ce qui a été dit? Ça va? Parfait. Non? Parfait. Ben, je ne sais pas, Roméo, est-ce que vous avez... Je voudrais dire que... Oui. Oui, j'allais réagir. Allez-y, Pierre, allez-y. Mon seul problème avec ce que M. Chouard dit, c'est que ça m'apparaît être une vision totalement légitime, mais un peu idéale. Le vrai problème qu'on a encore ici, c'est d'essayer de rendre cette notion d'assemblée constituante claire et, jusqu'à un certain point, susciter une adhésion de suffisamment de personnes pour que, quel que soit le moyen qu'on envisage, là, qu'on ait accès, qu'on utilise ou pas les partis politiques, susciter suffisamment d'adhésion déclencher un mouvement. Parce que, voilà, c'est le problème concret de l'ex-élu que j'ai été pour essayer de mobiliser les gens, donc cette conscience du pouvoir qu'ils ont et qu'ils devraient exercer en toute liberté, comment avoir suffisamment de mobilisation pour que ça devienne réel. C'est mon seul commentaire. Parfait. Étienne, vous vouliez ajouter quelque chose? Juste un mot. Ce qu'on a vécu, nous, avec les Gilets jaunes en France, c'est exactement ça. Et on l'avait vécu en 2005. Vous avez vécu quelque chose en 2005 tout à l'heure. J'ai entendu Amir parler de 2005, mais il ne parlait pas de ce dont je vais vous parler là. Je ne sais pas ce que vous avez vécu. Vous, en 2005, parlez des gilets rouges, de la mobilisation des étudiants. Je ne sais pas si c'est de ça dont vous parlez. Je pense qu'en 2005, les États généraux sur la réforme des institutions démocratiques. Oui. Voilà. Nous, en 2005, on a vécu, vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous en avez peut-être entendu parler, le référendum sur le traité constitutionnel européen. Et à cette occasion-là, c'était un texte énorme, hein. Il y avait 800 pages de traité, c'était imbitable, super compliqué, très difficile à lire, super important, hein, mais difficile à lire, et on augurait que le peuple ne s'en soucierait pas et voterait oui sans le lire. Et en fait, comme il y avait un référendum, il y avait cet appétit dont parlait Amir tout à l'heure, et dont vous parliez, je crois aussi, Pierre, l'appétit vient en mangeant, c'est-à-dire qu'en fait, dès que des opportunités nous sont données de vraiment décider, nous nous emparons des sujets et nous avons plein d'idées formidables pour améliorer notre sort. Et
Ça s'est passé en 2005 et ça s'est passé avec les Gilets jaunes. Et vous cherchiez, Pierre, un moyen de susciter l'adhésion suffisamment pour déclencher une mobilisation. On a tous le même problème sur Terre et le référendum est le moment où les populations se mobilisent. C'est vraiment parce que le référendum, c'est un moment où on décide. C'est le moment où l'opinion que nous allons donner, le fait d'opiner, va participer à la transformation de la société. Et ça, ça mobilise beaucoup les gens. Je voulais juste vous signaler que, et ça s'est fait complètement sans les partis, le mouvement des Gilets jaunes, il avait quelque chose de tout à fait extraordinaire, je trouve, emblématique de ce que nous devrions faire. Les Gilets jaunes ont fait, ils étaient exemplaires, ils ont fait ce que nous devrions faire. Ils sont sortis de chez eux, d'abord, ils se sont réunis sur les lieux publics, fraternellement, c'était une joie, vous n'avez pas idée, c'était comme pendant la Commune de Paris en 1871, il y avait une espèce de fraternité, on se retrouvait, des gens qui étaient malheureux chez eux, l'impression d'être seul, abandonné, l'impression d'être peu nombreux et méprisé, et ils se retrouvent, ils avaient honte d'être pauvres, ils se retrouvent dehors, ils sont très nombreux, et ça s'est transformé. Alors, cette honte s'est transformée en colère quand ils se sont aperçus qu'ils étaient beaucoup plus nombreux que ce qu'ils croyaient. Et donc, ils ont fraternisé sur ces ronds-points et ces péages. C'est des choses qu'on devrait faire aujourd'hui. C'est ultra mobilisant, ce truc-là. Et si ça s'est arrêté, c'est parce qu'on nous a crevé les yeux, on nous a arraché les mains dans les manifestations. Ils ont fait des dizaines de milliers de gardes à vue, une persécution judiciaire, policière. C'est effrayant, la répression. La répression du régime. Vous l'appelez comme ça, hein, c'est un régime, le régime Macron, c'est un régime autoritaire et qui est en train, comme Bonaparte s'est transformé en Napoléon, c'est en train de se transformer en régime tyrannique, absolument. Hein. Mais il faut voir la violence dans les manifestations, les gaz lacrymogènes, on ne devrait pas appeler ça comme ça, parce que les gaz lacrymogènes, on dirait que c'est des trucs qui font pleurer, que c'est rien du tout. Pas du tout, c'est des gaz neurotoxiques, c'est des gaz de guerre qui sont interdits, écoutez-moi, hein, les gaz chimiques, c'est pareil chez vous, hein, interdits en temps de guerre et autorisés en temps de paix. Non, mais c'est déconnant, quoi. Les gaz lacrymogènes, c'est neurotoxique. On a un militant qui a découvert que c'est, qui a démontré qu'il y avait du, il s'appelle Alexander Samuel, remarquable, qui a démontré que dans ces gaz, il y avait du cyanure. Et pour les policiers, c'est une merde. Ils sont dedans sans arrêt aussi. Hein. Les policiers, ils sont ceux qui nous maltraitent comme ça, souffrent de ces gaz toxiques comme nous. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que si le mouvement des Gilets jaunes s'est arrêté, c'est qu'il a fallu l'écraser littéralement. Parce qu'on avait là la recette, si vous voulez, parce qu'ils sortent chez eux, ils fraternisent, ils faisaient attention à ne pas montrer leurs signes partisans. Ils savaient bien qu'il y avait des gens de gauche et de droite parmi eux. Et ils disaient, au début, vraiment, les Gilets jaunes, Canal Historique, c'était exemplaire. Ils disaient, peut-être que tu es de droite, je ne veux pas le savoir. Peut-être que tu es de gauche, je ne veux pas le savoir. Laissez vos drapeaux, vos étendards syndicaux, vous les laissez dans vos poches, parce que nous, ce qu'on a, c'est les gilets jaunes, c'est tout, on veut juste. Et il y avait une liste de doléances qu'ils partageaient, parmi lesquelles le RIC, ils se sont concentrés sur le RIC. En plus, ils sont devenus constituants. C'est magnifique, ce mouvement, magnifique. Ouais. Et je trouve qu'il est exemplaire. Il pourrait recommencer, il correspond à quelque chose qui nous manque et qu'il faudrait aider à reconstruire, mais je pense que les partis nous divisent, hein, c'est comme des… Oui, c'est vrai. Je vous arrête parce qu'on va passer aux questions du public. Donc, on va accueillir nos modérateurs, Sylvie Mérineau et qui on avait comme modérateur, Alain Bergeron. Je ne sais pas si Alain est là. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Oui. Sylvie. Bonjour, Sylvie. Ouais. Bonjour tout le monde. Oui, on a eu des beaux échanges, c'est intéressant. Attendez, je vais ouvrir ma caméra. Alain, si tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît. Oui, donc on passe aux questions du public, on vous écoute. Bien, moi je lancerai une première question. Alors, quels sont les modèles existants dans le monde qui peuvent vraiment nous inspirer? On a vu le modèle suisse qui est peut-être pas… à 100% idéal. Alors, est-ce qu'il y aurait autre chose? Est-ce qu'on pose une ou deux questions ou on y va question par question? Je ne sais pas, j'irais peut-être question par question. Je peux peut-être y aller d'une question. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien.
Alors, en fait, moi, malheureusement, à maintes reprises, j'ai demandé là, la cinquantaine de personnes s'il y avait des questions. J'en ai pas une. J'en aurais une pour vous. Est-ce que vous seriez, étant donné que vous considérez l'importance, vous savez que la CCQ est en train d'écrire un projet de loi de convocation pour entourer justement le cahier des charges et les sujets sur lesquels devra obligatoirement se pencher une assemblée constituante citoyenne au Québec. Alors, ma question, c'est, accepteriez-vous de participer à l'écriture de ce projet de loi-là? Intéressant. Personne ne veut répondre, ça commence bien. C'est plus facile de critiquer que de le faire. Disons que non, pas personnellement y participer directement. Je pense qu'il faut qu'il soit simple, par exemple, qu'il ne doit pas aller dans tous les détails infimes. Et il faut laisser, je trouve que dans ce processus-là, il faut laisser le temps aux gens de s'apprivoiser à cette idée-là de la constituante, de la souveraineté du peuple, de l'exercice constituant. T'sais. Dans ce sens-là, je plaide en faveur d'un texte de convocation, d'un projet de convocation qui soit simple et qui laisse une marge à la discussion, à la consultation et ensuite à la mise en application par des gens, etc. Parce que sinon, on va étouffer les gens. On en met trop d'un coup. T'sais. Il y avait la question que Sylvie Mérine avait posée, là, s'il y avait des exemples. Moi, les plus beaux exemples, à mon avis, c'est les trois cas de constituantes bolivariennes, c'est-à-dire l'Équateur, la Bolivie et le Venezuela. C'est les trois cas les plus proches de ce qu'on décrit en ce moment. Il y a eu, évidemment, le fameux cas de l'Islande, qui, à mon avis, est un peu un mythe, parce que c'est un cas, justement, très, très... où il y a eu beaucoup de désinformation, et finalement, qui est un échec au bout de la ligne, tu sais. Et il y a eu le cas de la Tunisie, il n'y a pas très longtemps, qui est un cas où c'est des élus des différents partis qui ont formé la constituante. C'est évident que ce n'est pas l'idéal, mais quand même... Et pourquoi l'Islande? Vous dites que l'Islande, c'est un échec. Pourquoi exactement? Parce que finalement, le résultat de la constitution qui a été écrite a été refusé par le gouvernement en place. C'est un bel exemple là, pour ce qu'on a discuté avec Étienne. Là. C'est-à-dire que si on n'a pas de départ une légitimité qui est là, on peut tous faire boycotter à la fin du processus, y compris par les gaz lacrymogènes. T'sais. Alors, le problème, on ne peut pas l'escamoter. Mais dans les trois constitutions bolivariennes, elles avaient la légitimité, elles avaient un mouvement populaire derrière elles, et elles ont fonctionné, elles ont été appliquées, et elles ont modifié profondément ces pays-là. Mm-hmm. D'accord. Pierre, vous vouliez dire quelque chose? Pour répondre à Alain, il y a eu une démarche avec... Monsieur Bélin puis André Larocque, qui à l'époque avait mobilisé, je pense, et c'était une commission itinérante qui faisait des assemblées populaires, là, les citoyens s'exprimaient, et après toute cette démarche-là, les gens avaient été convoqués à Québec, et ce qu'André Larocque me disait, c'est qu'il y avait au-delà de 1000 personnes, et le processus était assez simple, il y avait 10 questions, dont je me souviens pas, mais que André Larocque a en mémoire, 10 questions qui étaient posées, et c'était des
questions là qui sont le cœur de ce que serait une constituante citoyenne, une assemblée constituante. Et il y avait eu 1000 personnes qui s'étaient réunies à Québec à cette occasion-là pour reprendre ce qui avait été décidé dans toutes les régions du Québec. Et c'était un mouvement extrêmement convaincant, extrêmement fort, là. Alors, personnellement, je trouve que pourquoi refaire ce qu'on pourrait refaire ce qui a déjà été fait avec beaucoup de succès. Et ça avait eu l'effet de dont on parlait, ça avait été l'effet d'une mobilisation. Et je ne sais pas qui, ça avait été justement Jean-Pierre Charbonneau, je pense, à ce moment-là, qui était président de l'Assemblée nationale, qui avait ouvert et permis cette démarche-là complètement sans intervention politique, en choisissant quelqu'un qui appartenait à la société civile, Claude Bellan, qui avait une certaine notoriété et des compétences, André Larocque, diplômé de sciences politiques. La démarche était simple, convaincante et réussie. Alors, ça existe comme précédent au Québec. Alain, tu voulais dire quelque chose? Oui, ouais, ben, en fait, je suis évidemment au courant de ce qui a été fait par M. Larocque et Claude Bellan. D'ailleurs, M. Larocque m'a retourné le projet de loi qui a déjà été écrit quant à la convocation d'une assemblée constituante. Nous, on est dans un processus vraiment démocratique. Il y a une plateforme en ligne où les citoyens peuvent bonifier, enrichir le projet de loi. Et à partir du moment où on va s'être entendu et ficeler les contours du projet de loi, bien, on va le promouvoir et amener un maximum de personnes, pas à demander la convocation d'une assemblée constituante, mais à l'exiger. Et c'est comme ça que le peuple doit vouloir, doit s'affirmer et exercer les pressions nécessaires pour dire si l'heure est venue pour qu'on reprenne en main les guides de notre avenir collectif. Mais comment exiger, justement, c'était ma question tout à l'heure, puis je n'ai pas eu de réponse satisfaisante. Étienne? Alors, sur cette question-là, comment exiger? Je ne vois pas d'autre possibilité que d'être très nombreux. L'image que j'ai en tête, c'est celle du Caire. Vous vous souvenez, pendant les printemps arabes, il y a eu cet épisode au Caire, où ce n'était pas une grande avenue comme les Champs-Élysées qui était noire de monde, c'était toutes les rues du Caire qui étaient noires de monde. Et là, le pouvoir tombe aussitôt. C'est-à-dire que le peuple peut prendre le pouvoir simplement quand il décide à condition d'être uni et nombreux. Et là, c'est parce qu'à ce moment-là, la police ne tire pas sur des millions de personnes. La police tire sur des milliers, des centaines de milliers. Mais la police ne tire pas sur des millions. Et donc, en fait, il faut vraiment qu'on arrive à être déterminé sur une idée que moi j'appelle une cause commune. Et résumer ça dans notre cause commune, instituer nous-mêmes la puissance qui nous manque. Hein. En fait, c'est le mode opératoire, je pense, c'est d'arriver à être nombreux en grandissant en souterrain, sans avoir besoin des élus, des médias, en grandissant par éducation populaire. Il faut qu'on trouve la façon de dire cette idée pour qu'elle soit contagieuse. Et concrètement, je sais que les jeunes gens qui sont pleins de testostérone et qui voudraient agir tout de suite disent « mais tout ça, c'est du blabla ». Oui, c'est vrai que c'est du blabla parce que nous ne sommes pas nombreux. Jeune homme, aide-nous à être plus nombreux, tu verras, ça va devenir autre chose que du blabla. Mais tant qu'on est peu nombreux, si on se lève contre la police, si on sort de la tranchée là, tu nous invites à sortir de la tranchée tout de suite. Alors, tu as les ennemis qui t'attendent de l'autre côté, tu étais courageux, tu es sorti, mais maintenant, tu n'es plus rien. À mon avis, il vaut mieux constituer la force populaire par éducation populaire comme préalable à l'insurrection. L'insurrection, pour moi, c'est pas. Enfin, tous les peuples du monde, c'est l'histoire des hommes que de s'insurger. L'insurrection, c'est pas grave. Une insurrection, les êtres humains s'insurgent depuis la nuit des temps. Enfin, c'est une banalité. Ça n'a de chance de marcher que si on est très nombreux. Sur les expériences, les modèles, je pense que vous devriez travailler, alors ce n'est pas un modèle, hein, vous devriez travailler l'expérience d'Athènes, parce qu'à Athènes, on a expérimenté le tirage au sort pendant 200 ans, et il y a des tas de choses à tirer. Alors, je sais bien qu'ils étaient esclavagistes, qu'ils tenaient à l'écart les femmes, qu'ils avaient des esclaves. Ce n'est pas ça qui m'intéresse, évidemment, vous imaginez bien. Mais par contre, ils ont expérimenté sur le plan politique une façon de voter les lois
et de les exercer, de les exécuter, qui est remarquable. Je vous recommande ce bouquin, qui est un bouquin de Saint-Omer, qui s'appelle « Petite histoire de l'expérimentation démocratique », et qui fait le tour de toutes les expériences de tirage au sort, concrètes, hein, là, ce n'est pas théorique, ce n'est pas du blabla, c'est vraiment les humains pratiquent le tirage au sort depuis longtemps, et encore aujourd'hui, partout sur Terre, c'est marrant, ça donne la pêche, hein, c'est vraiment… Et il y a au Canada… Un exemple que vous devez connaître, j'imagine, qui est tout à fait remarquable, d'assemblée constituante populaire, qui s'est passée en Colombie-Britannique, où, alors c'est vrai, alors là, je dois reconnaître, hein, et ça va dans le sens de ce que vous disiez, qu'une modification peut venir par les partis politiques et par les élections, c'est en Colombie-Britannique, c'est un politicien qui avait perdu une élection, qui avait la rage, qui n'était pas content, et qui avait juré que s'il était élu la prochaine fois, ou une prochaine fois, il déclencherait un processus constituant populaire. Or, il a été réélu, et il a déclenché ce processus populaire, c'était il y a une dizaine d'années, et il a peut-être un peu plus, et ils ont organisé, en Colombie-Britannique, donc du côté de Vancouver, ils ont organisé toute la réécriture du code électoral, qui est très technique, hein, qui est… En tirant au sort l'Assemblée constituante, et donc vous avez des gens qui ne savaient même pas ce que c'était qu'une constitution qui ont été tirés au sort, qui ont expliqué à des journalistes la terreur qui les a pris quand ils ont découvert qu'ils allaient devoir écrire ce truc alors qu'ils ne savaient pas du tout comment ils allaient faire. C'est des gens qui regardaient la télé, qui regardaient les séries, qui ne s'occupaient pas de politique, vraiment des gens complètement éteints politiquement qui se sont retrouvés catapultés à cette place-là et qui ont expliqué, c'est vachement intéressant. Ce bouquin-là, vous allez voir, ça va vous intéresser. Hein. C'est plein de cas comme ça. Et qui expliquait, donc ces gens qui avaient été tirés au sort, qui expliquaient qu'après des mois à travailler sur ce code électoral, qui est un endroit stratégique de la Constitution, hein, expliquaient comment ils avaient les larmes aux yeux à la fin en présentant leur projet, parce qu'ils avaient l'impression d'avoir présenté un projet magnifique, et c'est vrai que c'était un beau projet, qui a obtenu la majorité, donc plus de 50%, je crois que c'était 54 ou 57. Bon, il fallait 60, parce que c'est vrai que souvent, pour un processus constituant, il faut une majorité renforcée. Donc, le projet n'est pas entré dans les… Mais on s'en fout complètement. Sur le plan, pour nous, de l'expérience politique que ça représente, ils ont présenté de simples citoyens sortis de chez eux par le tirage au sort, comme contraints à s'occuper du bien commun, expliquent comment ils ont progressé dans leur tête et comment ils sont parvenus à élaborer un projet, grande amélioration pour le pays, en obtenant… plus de 50% des voix, c'est-à-dire que les colons britanniques, je ne sais pas comment on les appelle, ont reconnu ce travail de façon tout à fait remarquable. Voilà un exemple qui n'est pas vraiment un modèle, mais qui est un exemple qui peut vous montrer que ça peut marcher. Merci. Sylvie, est-ce qu'on avait d'autres questions? Roméo, je vous donne la parole tout de suite après, mais je veux juste vérifier avec Sylvie si on avait d'autres questions du public. En effet. Alors, il y avait une question plus d'ordre économique. Est-ce que l'exercice constituant pourrait ouvrir notre souveraineté économique, par exemple, la gestion de nos impôts sur une plateforme en ligne? Roméo? À cette question-là, c'est-à-dire, c'est une question très pointue. C'est sûr qu'une assemblée constituante aura à se prononcer sur beaucoup de choses et à aller chercher des consensus sur toutes les questions économiques aussi. La démocratie économique, c'est certain. Moi, je pense, en tout cas, qu'une constitution ne doit pas se limiter aux institutions politiques comme telles, mais doit apporter des orientations sur la démocratie économique, la démocratie sociale, la démocratie de l'information, etc. Pour ce qui est de la dernière intervention d'Étienne, je dirais qu'au Québec en ce moment, dans le paysage politique tel qu'on l'a, avec les partis tels qu'ils sont, il y a place pour un nouveau mouvement politique. Il y a place pour structurer politiquement une mouvance sur la démocratie et la citoyenneté. Et à l'intérieur de ça, ce mouvement-là serait porteur, évidemment, de ce concept-là d'une assemblée constituante ouverte qui
pourrait évidemment apporter par la suite des mécanismes d'exercice permanent de la souveraineté du peuple. Alors je pense que on est, je sais pas, tous les pays sont pas pareils, mais en ce moment au Québec, il y a place pour une structuration politique, un mouvement politique qui soit porteur de ce vaste concept-là de démocratisation, d'appel à la souveraineté du peuple, incluant une assemblée constituante à mandat ouvert. Parfait. Sylvie, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je ne sais pas si Étienne ou... Parce que là, il nous reste quelques minutes seulement. Il est 11h52. Et je vais juste vérifier mon horaire ici. Alain? Ben, je pourrais donner les trois questions qui restent, puis les gens en feront ce qu'ils veulent. Alors, un Québec souverain dans un Canada uni, alors un très long processus si on considère la non-partisanerie. La dame dit qu'elle comprend. Puis, est-ce qu'on n'arriverait pas encore à un statu quo malgré tous ces efforts-là? Ensuite, j'ai que pensez-vous de constituant, cet exercice constituant qui a été mené par l'Institut du Nouveau Monde en 2018? Doit-on redéfinir la notion de représentativité? Et pourquoi considérez-vous que la grogne actuelle autour de nos conditions est secondaire par rapport au débat sur la convocation d'une assemblée constituante citoyenne? Alors voilà, j'ai fait le tour des questions. Merci Sylvie. Bienvenue. Pierre, vous voulez réagir? Ça fait un petit bout. Non, parfait. Étienne? Sur la question précédente, où Roméo a répondu très rapidement, mais ça méritait plus, je pense, sur la question était, est-ce que l'Assemblée constituante pourrait prévoir notre souveraineté économique ou pourrait nous permettre de récupérer notre souveraineté économique? Et la question, on donnait un exemple qui me paraît bizarre parce que ça paraît très timide, une gestion de nos impôts sur une plateforme en ligne. C'est bien plus radical, c'est bien plus énorme, c'est bien plus important ce qu'il y a à gagner sur le plan économique. Il faut comprendre que sur la récupération par le peuple d'une souveraineté politique va lui permettre de reprendre le contrôle de la création monétaire et des rapports politiques à l'intérieur des entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toute une émancipation du système de domination, du système d'exploitation qui est le système actuel. Il y a toute une émancipation qui est rendue possible par le fait que le peuple puisse décider. Quand nous pourrons décider, nous pourrons donc décider de façon constituante, nous allons pouvoir doter la puissance publique du pouvoir de création monétaire qui rend la puissance publique locale et nationale. À tous les niveaux, ça marche. Hein. Le pouvoir de création monétaire qui va rendre la puissance publique capable d'être employeur en dernier ressort. C'est-à-dire que nous allons venir à bout du chômage quand nous allons devenir constituants. Il faut se rendre compte de ça, parce que ça change absolument tout. Et nous allons pouvoir financer les services publics à proportion de ce dont on a besoin et pas ce qu'on fait en ce moment qui est l'inverse. Je crois que c'est chez vous, c'est pareil. Hein, le néolibéralisme détruit les services publics partout sur Terre. Le fait que le peuple puisse décider lui-même va permettre au peuple, quel que soit le pays, de s'émanciper politiquement et économiquement. Et ça va impacter, bon, je n'ai pas le temps de développer, mais ça va impacter tous les aspects de la vie en mettant en place une prospérité au lieu d'une austérité. Et ça va donner même des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Par exemple, je pense au racisme, ou aux luttes sociales très dures, avec le racisme et la xénophobie, qui, à mon avis, sont exacerbées par la difficulté à vivre, exacerbées par les injustices, les difficultés à vivre, et qui, au contraire, sont adoucies, disparaissent, dans une situation où quand on manque de rien, quand tout va bien, on peut être beaucoup plus accueillant par rapport à l'étranger. Il y a beaucoup moins de problèmes dans les rapports sociaux, dans une situation où nous aurons récupéré notre souveraineté politique et économique.
Super. Il nous reste 3 minutes avant le mot de la fin. Pierre ou Roméo? Ben, le mot de la fin, pour moi, il va être très, très court. C'est que nous serons incapables de régler les crises économiques et écologiques. Ça vient tout à fait dans le sens de ce que vient de dire Étienne. Si nous ne reprenons pas le contrôle des décisions politiques, c'est juste l'enjeu, c'est reprendre le contrôle des décisions politiques. Tout ce qu'on discute là sur la Constituante, l'initiative populaire, c'est toute la façon de le faire, mais l'objectif, c'est de reprendre le contrôle des décisions politiques. C'est la clé de la porte, la clé de la forteresse. Voilà. Pierre? Mot de la fin? Non, Roméo a bien clarifié l'objectif. Jean Térine. Parfait, parfait. Alain, est-ce qu'on avait des questions qui s'ajoutaient aux questions de Sylvie? Oh, on ne t'entend pas, ton micro est fermé. On ne t'entend pas, ton micro est fermé. Non, malheureusement, j'ai pas d'autres questions, mais je voulais simplement dire un gros merci aux participants, puis au plaisir de se revoir bientôt. Parfait, merci. Étienne, un mot de la fin? Il y a un second en espagnol, en Amérique latine, qui dit le peuple uni ne peut pas perdre. Et je trouve ça très fort, il le chante Il y a un laboratoire démocratique en Amérique latine qui est tout à fait remarquable et qui est enthousiasmant, qui donne beaucoup d'espoir. Pour nous unir, c'est vrai qu'on ne changera les choses que si on arrive à s'unir. Les partis politiques, les élections qui nous donnent les partis politiques nous désunissent. Malgré eux, ce n'est pas une question de personne. L'idée du parti politique, la notion même de parti, nous sépare les uns des autres, oblige, conduit les militants des partis à détester ceux des partis en face comme si c'était des ennemis en tout, alors que loi par loi, nous pourrions fraterniser. Et en fait, nous avons besoin, vraiment c'est un mot que j'aime beaucoup, parce que je pense que c'est ça qui va nous permettre de nous échapper de la prison politique dans laquelle nous sommes, nous avons besoin d'une cause commune qui dépasse les clivages législatifs, et je pense que l'enjeu constituant est cette cause commune, parce que l'enjeu constituant nous situe, quand on réfléchit, quand on y pense tous, qui que nous soyons, quand on réfléchit au niveau constituant, nous mettons à un niveau politique qui est au-dessus et qui permet cette union, qui permet de penser en cherchant une cause commune. Et, je vous remercie de tout ce que vous faites. Je vous suis, je fais tout ce que je peux pour vous. Si je peux vous aider, je ferai tout ce que je peux, en relayant, en faisant connaître ce que vous faites. Je suis de tout cœur avec vous. Et Merci. On termine, il est midi pile, donc je remercie vraiment tous les participants, Amir qui est parti tôt, Sylvie Mérineau, Alain Bergeron, merci au modérateur, merci à Pierre Curzi et Étienne Chouard. J'invite les gens à assister à la prochaine table ronde jeudi le 15 avril, c'est à 19h. Le thème, c'est les failles démocratiques de la législation actuelle. Donc voilà, merci tout le monde. Bonne fin de journée, bonne fin de semaine. Au revoir. Salut à tous.